Coucou à toutes et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ma part, nous sommes un lundi matin. Oui, un lundi matin. Et je tourne une vidéo un lundi matin. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo le matin à cette heure-là, en tout cas. Même s'il est déjà tard pour certaines personnes. Donc voilà, parce que moi j'ai des trucs à faire derrière. Bref, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, je vais vous faire, comme indiqué sur le titre de la vidéo, un mini haul du site de beauté privée. Et du site de Parfum Nox. Je vais vous rappeler vite fait les deux sites. Je vais commencer par le site de Beauté Privée. Donc Beauté Privée, c'est un site français où vous avez de tout. Vous avez pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Donc ça peut être des parfums, l'hygiène beauté, des soins, des coffrets. Là, en ce moment, c'est la période de Noël. Donc des coffrets cadeaux, etc. En ce moment, où je vous tourne la vidéo, c'est période de Noël. Donc quand vous verrez cette vidéo, elle sera déjà passée. Cette vidéo, Noël sera déjà fini, passée déjà. Donc voilà, vous avez des coffrets, vous avez vraiment de tout. Donc voilà. Donc après, vous pouvez prendre toute l'année. Moi, je prends. Là, j'ai pris que pour moi. Il n'y a rien pour offrir et tout. Donc voilà. Voilà, ça arrive très vite. Franchement. Tout est fiable. Je vous recommande ce site. Je vous mettrai le site en barre d'infos. Je ne suis pas du tout rémunérée par beauté privée. C'est avec mon argent que je commande à chaque fois. Je préfère vous le redire à chaque fois. Donc j'ai 10 articles exactement pour beauté privée pour aujourd'hui. Et du coup, pour le site Parfum Nox, c'est un site que une youtubeuse avait parlé il y a quelque temps de ça sur une de ses vidéos YouTube. Et moi, j'avais déjà fait une première commande où j'avais acheté. Sur ce site, et du coup bah, je me suis relancée et je me suis repris encore des parfums sur le site. Alors le site de Parfum Nox, c'est un site aussi français, je pense, je suis pas sûre à 100% pour le d'où ça vient exactement, mais je crois que ça vient de France hein. Je vais regarder sur ma commande, mais ouais, ça vient de France. Donc c'est des parfums d'équivalence, c'est pas les vrais parfums que vous trouvez chez Sephora ou chez Nocibé ou chez Marionneau, c'est des parfums d'équivalence, mais de grandes marques. Enfin, je préfère le vous, le voilà. Si vous avez pour femme, pour enfant, parfum homme, parfum femme et parfum mixte. Donc vous avez vraiment de tout. Voilà, je vous mettrai aussi le site en barre d'infos aussi. Souvent vous avez des promos. Là malheureusement, bon moi quand je vous tourne cette vidéo, on est avant Noël. Donc quand vous verrez cette vidéo, ce sera après Noël. Donc les promos peut-être que voilà. Mais bref. Je vais justement commencer par le site de Parfum Nox pour vous montrer les parfums que je vous ai pris d'équivalence et exactement. Parce qu'en fait, c'est des numéros qu'ils mettent, mais ça marque quel parfum exactement d'équivalence, entre guillemets, ça correspond en réalité. Donc voilà, après, moi je vous dis que c'est la deuxième fois que je commande, donc c'est pas. Voilà, je suis pas trop. Comme j'ai jamais eu les parfums, les vrais parfums en ma possession, donc je peux pas vous dire si c'est la même chose ou pas. Bref! Donc, je me suis pris donc trois parfums d'équivalence du site Parfum Nox. Donc, ils sont. Non, les trois sont pareils. Hein. C'est pas les mêmes parfums, mais le packaging. Je vous montrerai vite fait le packaging. Donc, c'est un packaging comme ceci. Donc, voilà, un petit carton. Donc, moi, c'est des. Je crois que j'ai pris des 50 millilitres, je crois. Vous avez 30, vous avez 50, et après, vous avez au-dessus. Mais plus vous prenez, plus cher. Plus vous prenez plus de quantité, plus c'est plus cher, évidemment. Donc voilà, donc je vais vous montrer exactement. Donc le carton, je le garderai pas hein, quoi qu'il arrive. Et la bouteille, pardon, excusez-moi. Donc elle est comme ceci. Voilà. Donc avec un petit bouchon là, on est sur un bouchon un peu gris, or, vert, voilà, un petit peu, voilà. Mais ça, vous n'allez pas le voir à trop à la caméra. Donc c'est en vert, hein, la bouteille est en vert. Donc voilà, donc c'est bien marqué eau de parfum, donc 50 millilitres. Voilà, donc vous avez même le numéro du parfum, donc voilà, etc. Donc je vais vous dire, donc j'ai pris donc le 490 qui correspond à le R de Zadig et Voltaire. Donc pour le premier, qui est comme ceci. Hein, donc je vous dis, les trois ça va être les mêmes. Hein, donc voilà. Donc franchement, voilà, après, hâte de tester, hâte d'essayer, je vois. Ensuite, j'ai pris donc exactement donc. Je pense que c'est la même bouteille. Hein. Peut-être que des fois c'est le bouchon qui peut peut-être changer de couleur. Oui, voilà, là c'est le bouchon qui change de couleur. Parce que vous avez boisé, vous avez floral, vous avez boisé, floral,
Floral fruité, je crois, ou fruité, ou je sais plus exactement. Bref, vous avez plusieurs senteurs comme dans les parfums de base, hein. Donc voilà, donc là c'est le 2413, donc le 2413 comme vous voulez, hein, voilà. Donc là le bouchon cette fois-ci, on est sur du rose poudré, bah, du rose. Donc c'est pareil, c'est toujours un 50 ml, je prends que des 50. Hein. Donc là je vous ai dit c'était donc le 2413. Et donc le 2413 c'est le Yes I Am de Cacharel. Je sais, ça fait très longtemps qu'il existe, je suis au courant. Voilà, je le sais. Mais voilà, donc c'est la même chose. Hein. Ces versions, donc c'est des parfums pompes comme ceci. Donc là, je vous ai dit, là celui-là c'est le Yes I Am de Cacharel pour celui-ci. Et donc le dernier c'est le numéro 479. Ok, comme ceci, c'est exactement le même. Et le 479, ça correspond au Good Girl de Carolina Herrera. Donc, je sais pas s'il est bien, je ne peux pas vous dire. Voilà, et là, c'est toujours le bouchon, bah, le même bouchon que celui-là de chez Cacharel. C'est un rose aussi poudré. Donc, comme je vous ai dit, allez voir, je vous mettrai le site en barre d'infos. Franchement, c'est une tuerie ce site. En plus, ça arrive très vite. À part quand vous commandez un vendredi, donc c'est un peu plus chiant à arriver. Mais si vous commandez en semaine, je pense que voilà, ça peut arriver très vite. Je sais même, je m'en fais pour les frais de livraison, je sais plus exactement. Mais voilà, ça va, franchement. Et à chaque fois, ils vous mettent toujours une petite carte avec une carte de réduction et tout, ben, un bon de promo. Voilà, un truc comme ça. Donc moi, je vais la garder pour moi au cas où pour la prochaine fois. En plus, il n'y a pas d'expiration. Donc c'est parfait. Et souvent, ce que je vous ai dit, il y a des codes promo quand vous recevez. Bah, en fait, quand vous vous inscrivez, vous savez, souvent, vous recevez de la pub de leur site et voilà quoi. Donc c'est ça qui est bien. Donc en plus, là, comme si ça a été. Donc là, je parlais au passé, même si moi, je l'ai fait avant Noël. Ça a été vraiment les promotions Noël. Là, en ce moment, il y a eu des moins 30%. Donc j'en avais profité. J'avais moins 30% sur les parfums. Donc j'en avais profité. Donc ça m'a coûté beaucoup moins cher que prévu. Bref. Et donc du coup, ma deuxième petite commande, c'est une petite commande, je vous ai dit, beauté privée. Beauté privée, comme je vous ai dit, je ne vais pas vous en reparler, mais c'est franchement, c'est fiable. À chaque fois, j'ai jamais de problème. Là, c'est dans un grand carton, je ne peux pas vous montrer le carton, ce qui est super. C'est pas qu'il est lourd, c'est que c'est encombrant, un hein, carton. Donc voilà. Mais comme je vous ai dit, donc j'ai pris 10 articles. Donc, dont les 10 articles, il y avait un lot. Donc je vais montrer le lot tout de suite. C'est le lot de deux gels douche. Je vous mettrai les prix en barre d'infos. Bah, les prix que je les ai payés sur le site, en tout cas, sur ma bon de commande, donc, parce qu'ils donnent pas de bon de commande malheureusement. Donc là, bref, je me suis pris un lot de deux gels douche des 250 ml, donc c'est même pas des gels douche, c'est des crèmes de douche, donc de la marque Dove. Donc c'est voilà, zéro sulfate, voilà, nourrit les peaux les plus sèches, etc. Franchement, Dove, c'est voilà, en ce moment, Dove, c'est vrai que Dove, j'aime beaucoup Dove. Niveau marque de gel douche, c'est très bien, c'est clean. Donc en plus, c'est non testé sur les animaux. Donc, parce que sa marque s'approuvait par PETA, donc voilà. Sa marque, c'est 100%, bouteille 100% plastique recyclé, etc. Donc voilà, donc j'ai pris le lot de deux bouteilles de gel douche. Ensuite, bon, j'ai repris un troisième gel douche, cette fois-ci un plus grand, c'est un 500 ml. Oui, non, un 400, pardon, c'est un 400 ml. Donc, de la marque toujours Dove. Et là, c'est cette fois-ci, c'est à la mangue et à l'amande. Comme ceci, le paquet comme ça. Donc voilà. C'est pareil, c'est toujours approuvé par PETA, etc. Donc voilà, donc gel douche, voilà. Après, je vais pas sentir exactement. Parce que, là. Mais c'est mangue et amande. Donc, je voulais vous dire que je pense qu'on est pas mal. Ensuite, comme d'habitude. Il y a ça maintenant 3 ans, je crois, si j'ai une bonne mémoire. 2 ans, 3 ans. J'ai une personne très chère à mon cœur qui m'avait fait un carton d'anniversaire. Et dans le carton d'anniversaire, elle m'avait mis un produit que je connaissais pas. Et du coup, à chaque fois que. Pas à chaque fois que je commande, mais à chaque fois que je sais que j'ai besoin d'en avoir un d'avance, je prends toujours ce produit. Donc, c'est ce produit de la marque Organicard. C'est un. Donc, un exp Un Express Air Repair Conditioner, donc c'est comment dire? Je cherche le mot, excusez-moi, à cette heure-là. Voilà, donc c'est un spray, voilà, un spray réparateur express sans rinçage pour tout type de cheveux. Donc moi je l'ai pris en bleu comme ça, vous l'avez en bleu ou en blanc, je crois que je l'ai pas retrouvé en blanc là, cette fois-ci. Donc voilà, franchement, c'est
le produit à avoir quand vous avez des problèmes de. Quand par exemple vos cheveux, ils sont. Comment dire? Il y a 2-3 nœuds dans vos cheveux. Vous mettez ça aussi. Moi, j'utilise pour ça aussi. Hein, mais voilà. Ou quand je sais que je vais pas me laver les cheveux. Par exemple, bah, je vais pas me les laver. Je vais les. Comment dire? Quand je les lave, je mets ça au-dessus, je mets ça après. Ou quand je sais que je vais juste passer un coup d'eau dessus, je vais juste mettre ça après derrière. Franchement, c'est une tuerie. Voilà, c'est un 250 ml. Ça vous fait. V'là le temps que ça vous fait. Moi, ça me fait. Pff, voilà quoi. Après, j'utilise presque à tout à chaque fois que je vais dans la douche, etc. Franchement, c'est. Après, c'est le produit le plus cher de la commande. Hein, voilà. Mais sinon, parce qu'il a 9 euros des brouettes, je crois, le produit. Mais je vous dis, ça vous fait très très longtemps. Donc en plus, il y a une date d'expiration. Et quand je vois la date 2027, ça va être consommé bien avant, hein, évidemment. Donc voilà, hop, je vous montre comme ceci le packaging. Franchement, c'est une tuerie. C'est le produit à avoir au niveau. Voilà, c'est le produit à avoir. Ensuite, je me suis pris. Non, attendez. Je me suis pris deux dentifrices. Alors pourquoi deux? Je vais vous expliquer pourquoi. J'en ai pris un normal et un au charbon. Donc le normal, donc c'est les deux marques, c'est la marque Signal. Donc c'est la même chose que vous trouvez en magasin normal, hein, en magasin basique, chez Leclerc, chez machin, chez tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc les deux, donc le blanc, donc c'est haleine pure. Il y a marqué bûche purifiée, haleine de nana, etc. Et pour le charbon, voilà. Alors, moi, je sais ce que vous allez me dire. Il y a l'intérêt d'acheter oui, mais j'aime bien. Des fois, je mélange même les deux quand je fais mes dents. C'est-à-dire que je mets moitié dentifrice blanc, moitié dentifrice charbon. Ou je peux mettre d'abord le charbon et après le blanc. Voilà, comme ça au moins. Ça fait deux fois plus. Voilà. Mais après, c'est pas grave. Hein, voilà. Et donc du coup voilà, c'est des dentifrices, hein, j'ai envie de vous dire. Mais après c'est marqué que c'est une nouvelle formule pour le blanc, marqué nouvelle formule, donc écoutez, je verrai bien ce que ça donne. Les paris, les cartons, je les garderai pas, hein. Mais j'en ai encore un d'avance. Donc à chaque fois voilà. Ensuite, je me suis pris un seul shampoing cette fois-ci parce que j'en ai, je sais pas combien de shampoings d'avance. Aussi hein, chez moi à la maison. Et si je vois que j'en ai pas assez, j'en achèterai un autre chez Action. Ou dans un autre magasin basique. Je me suis pris un shampoing de la marque L'Arbre Verte. L'Arbre Vert, pardon, L'Arbre Vert. L'Arbre Vert. J'avais déjà pris un shampoing et un gel douche de la même marque il y a quelques temps de ça sur ma commande beauté privée. Je vous avais montré en vidéo la dernière fois. Donc là, c'est un shampoing pour les cheveux normaux au coton et au litchi. Donc comme ceci, le packaging. Après, bon, pas de packaging, il est très joli. Hein, j'aime beaucoup, hein, franchement. Alors, pour être honnête avec vous, je l'ai senti quand j'ai reçu la commande dans la semaine. Ben, la semaine. Non, pour moi, c'est la semaine dernière. Pour vous, c'est déjà passé il y a longtemps. Et franchement, on sent très bien le litchi, même si de base, je suis pas trop. Voilà. Mais ça sent très très bon. Après, bon, le coton, on sent pas vraiment le coton d'habitude. Hein, mais donc voilà. J'ai hâte de tester. C'est un 250 ml, comme tout shampoing. Mais voilà. Bref. Donc voilà, il est comme ceci. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, ne hein, vous inquiétez pas. Je me suis acheté un masque pour les cheveux. Un masque de la marque Florence Nature. Oui, Florence Nature. Hop, qui est comme ceci. C'est un masque capillaire à l'argan. Donc réparateur et nourrissant. Voilà. Alors attendez. Est-ce qu'il y a un truc en français là-dedans? Oui. Voilà, donc écoutez. C'est donc. C'est marqué que c'est appliqué une à deux fois par semaine pour les masques. Ouais, ça dépend. Moi, je peux faire une fois. Ça me suffit. Après, ça dépend ce que je fais avant. Voilà. Voilà. Et comme ceci, c'est un 150 ml. Donc, c'est vraiment un petit. Hein, mais bon, ça me suffit largement. J'en ai un autre que j'avais acheté il n'y a pas très longtemps. En plus, sur Beauté Privée aussi. Non, Beauté Privée ou que j'avais pris chez Action. Chez Action, je crois. Donc, bah, vous avez dû voir la vidéo Action. Oui. Parce qu'entre-temps, il y aura d'autres vidéos Action qui vont arriver. Bref. Donc, voilà. Donc, il est comme ceci, le truc. Je ne connaissais pas du tout. Donc, voilà. Hop, je vous montre. Voilà. Pour. Le masque. Et enfin, les deux derniers produits qui est la même chose, sauf que c'est deux senteurs différentes. Hop, je vais enlever le carton pour me voir un petit peu mieux.
Donc c'est des gommages pour le corps. Et là, j'en avais acheté un de cette marque-là et d'un parfum, bah, d'une senteur, voilà. Mais là, quand j'ai vu que vous avez remis en stock, je les ai achetés tout de suite. Donc j'ai pas repris le même que j'ai acheté l'autre fois. J'en ai acheté deux autres différents. Donc c'est de la marque Pluff. Voilà. Ils sont comme ceci. Donc hop. Alors, par contre, ça part très vite. Donc il y a des grandes chances que quand vous allez voir cette vidéo, il y a des grandes chances qu'il n'y en aura plus en stock. Sinon, allez voir sur les sites internet. Peut-être que vous pouvez en trouver sur des sites, mais c'est très rare. Hein. Donc voilà, c'est la marque Pluff. Donc j'en ai pris un. Donc à la framboise et à la myrtille. Alors, pour c'est des 160 ml si vous voulez savoir. Donc c'est des gommages pour le corps. Je vais pas, je peux pas vous sentir parce que je peux pas sentir parce que regardez, il y a le il y a le plastique là. Mais comme je vous ai dit, j'en ai un là que je vais vous parler bientôt dans mes produits terminés, mais je peux vous en parler là. Foncez. Juste un mot, foncé, je vais pas épiloguer sur le truc, mais foncé. Donc framboise et myrtille pour le premier. Et celui-là, j'ai pris à la pastèque et à l'amande. À la menthe, pardon. À la menthe. Et à la menthe, pastèque et menthe. Et là, c'est framboise et myrtille. Donc voilà. Donc vous voyez bien plus, regarde. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs. C'est ouf, hein, franchement, les couleurs, elles sont mortelles et tout. Donc hâte de tester. Je crois après moi j'ai un autre gommage pour le corps que j'avais acheté avant donc je testerai avant mais voilà franchement c'est là cette fois-ci je n'ai pas pris de parfum parce que comme je l'ai dit j'ai pris des parfums de chez Nox donc je voyais pas trop l'intérêt d'acheter un autre parfum chez Beauté Privée mais voilà après alors par contre les parfums chez Beauté Privée c'est des il n'y a pas trop de grandes marques il y a leurs parfums qui vendent à eux de leur site, des trucs comme ça. Bah, il n'y a pas marqué beauté privée dessus, mais bon, voilà. Mais c'est des parfums qui valent le coup aussi, ils sont moins chers que. En plus, c'est des grands parfums. Il y a vraiment. Voilà. Bref. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets, comme d'habitude, en barre d'infos, toutes les informations qu'il vous faut pour les sites. Je vous mettrai les prix de mes produits de chez Beauté Privée et les prix de chez Parfum Nox. Alors pas les prix auxquels je les ai achetés moi, mais les prix de base. Donc je préfère vous le dire. Je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez plus d'informations, c'est pareil, contactez-moi en barre d'infos avec des commentaires. Donc voilà. Je vous fais à tous des bisous. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos YouTube. Bisous.